Regardez tous ces immeubles. Il n'y avait rien de tout ça il y a 7 ans. Que du verre, comme ce que vous voyez là. Mon rêve était d'ouvrir une bibliothèque au village pour les petites filles. Aujourd'hui, vous allez voir. Les filles viennent au village pour ça. Et même si la bibliothèque ne porte pas mon nom, quand les habitants du village y vont, ils disent « Nous allons à la bibliothèque de Nawal al-Sadawi ». Ça me rend heureuse aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, j'étais très en colère. Je n'y allais plus, ça grouillait de frères musulmans. Je me souviens, lorsque j'étais chez moi au village, des frères musulmans, des salafistes et des fanatiques voulaient ma peau. Ils venaient chez moi armés de bâtons pour me battre. Eh oui, ils m'en voulaient, parce qu'ils travaillaient avec le gouvernement. Les frères musulmans et les salafistes collaboraient avec le gouvernement de Moubarak. انت مدير المكتبه انت احمد عراقي عاوزين نشوف النشاط بتاعكم بقى اهلا وسهلا مين كمان معاك مدير الغالي مرة دكتور نواف اهلا بيك يا فندم هقعد معاكم هقعد معاكم بس انا دلوقتي عندي شغل هقعد شوف هقعد معاكم بس مش دلوقتي تسمحوا كمان 10 دقايق اتفضل اتفضل هقعد معاكم انا هقعد معاكم يا متولي هقعد معاكم كلكم خدهم والله هاجي لكم انا جايه لكم يلا هاجي لكم المكتبه فوق عندنا اولاد زمان هاجي لكم المكتبه يلا يلا اعملي اجتماع كراسي وانا جايه كلنا نبدا وانا جايه لكم المكتبه فوق ايوه عايزين نقعد احنا عايزه اقول لكم حاجه المكتبه اتعملت عشان البنت دي اسمك ايه هدير أنا كنت قد البنت دي في قرية كفر طحي وكان عندي حلم أقرأ أكتب ما كانش فيه لا كتب ولا مكتبة كنا بشتري أشتري مثلا لب فأزأز اللب وبعدين أقرأ القرطاس لأن ما فيش كتب فكان حلم حياتي يبقى فيه مكتبة عشان هدير تلاقي كتاب تقرأه Quand je suis avec le docteur Nawal, je suis très fière d'être une femme. Elle est respectée de tous, même des hommes, même des hauts responsables. Même ceux qui étaient mauvais la respectaient quand même. Peu importe ce qui se passait après son départ, il la recevait toujours très bien quand elle revenait.
quand je l'accompagnais, je voulais être comme elle. Je voulais être Nawal al-Saadawi. Mais bien sûr, c'est impossible. Ah, Gamil, 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 Gamil. Gamil. دي مكتبة الطفل. جميل. أنت هنا اللي مسؤولة بقى. آه. طب عودي. وقريتي ده؟ لا هما كانوا بيقروا قصص تانية. آه. قريتي الكتاب ده؟ لا. أمال بتقري في إيه؟ هاتي قصتك. وريني وريني إيه اللي بتقري كده؟ كتاب الأصوات. آه. J'ai lu mon premier livre de Nawal al-Saadawi à l'âge de 15 ou 16 ans. Je venais de rentrer au lycée. Je me posais beaucoup de questions sur la place de la femme. Pourquoi elle était inférieure à l'homme? Pourquoi ma mère me disait de ne pas tarder alors que mon frère rentrait à l'heure qu'il voulait? Pourquoi ma grand-mère avait des principes aussi stricts et me disait qu'une femme doit veiller à sa réputation et marcher les yeux baissés? Des tas de questions. Nous avions un club de lecture où nous nous retrouvions pour débattre des œuvres de Nawal al-Saadawi. C'était une vraie révolution pour nous. Ça remettait en question nos vies personnelles. On se disait, ah mais oui, c'est pour ça qu'on nous demande de nous couvrir et que ma grand-mère me dit de baisser les yeux. Ma mère rêvait de jouer du piano, de faire du cheval et de prendre l'avion pour parcourir le monde. Si mon père ne m'avait pas mariée, disait-elle, j'aurais terminé ma scolarité. J'aimais la lecture et l'écriture. Je voulais accomplir quelque chose d'important dans ma vie et pas seulement mettre au monde enfant après enfant comme des portées de chatons. Oui, elle voulait lire, écrire et changer le monde. Mais elle a passé sa vie à la cuisine, à nourrir ses 9 enfants et leur père. Mariée à 15 ans, elle en avait 45 quand elle est décédée, sans avoir réalisé un seul de ses rêves. Mon père aimait la poésie et la littérature. Un vieux rêve d'enfant le travaillait. Devenir un grand écrivain ou un poète, l'égal d'un Ahmed Chaouki ou d'un Hafez Ibrahim. Il avait connu la corruption de la monarchie, l'occupation britannique, le creusement du fossé entre riches et pauvres. « Il faut que la population s'éveille et se soulève », disait-il souvent. Je me demandais si je ne faisais pas partie, moi aussi, de ceux auxquels il adressait cette injonction. Le docteur Nawal est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a beaucoup réfléchi à sa place en tant que femme et à la place de la femme dans la religion musulmane en général. Dieu lui a donné une liberté plus importante que dans n'importe quelle autre religion. Et la preuve, c'est que dans le Coran, Dieu a consacré 2 sourates entières à la femme. Ce qui n'est le cas ni dans les évangiles, ni dans la Torah. Il y a la sourate dite des femmes, qui vient juste après celle de la famille d'Imran, et la sourate du divorce. Ces sourates ne concernent que les femmes, et c'est un grand honneur que Dieu leur a fait. Mais ici, les libertés de la femme sont mal comprises et bafouées. Mon père répétait souvent « Dieu est sagesse » ou « Dans la religion, il faut croire avec son cœur ». Car l'esprit humain est incapable de pénétrer la sagesse de Dieu. Mais si cette sagesse était inaccessible aux hommes, pourquoi lui donner ce nom-là,
et à qui s'adressait-elle? J'ai décidé de lire le Coran de la première à la dernière page. Dieu n'y parlait à Ève que par l'intermédiaire de son époux Adam. Le nom de Khadija, la première épouse de Mohammed, n'apparaissait nulle part. En guidant son mari vers la voie qui avait fait de lui le prophète, elle avait pourtant contribué à la création de l'islam. Quand Dieu s'adressait aux femmes, c'était uniquement par l'intermédiaire des hommes. Pour le reste, il ne parlait qu'aux hommes. Pourquoi? Pourquoi un homme valait-il deux femmes? Au Moyen-Orient, les hommes pensent que la femme est inférieure à l'homme. Ce qui va à l'encontre de ce que disent le Coran et tous les livres saints. La preuve en est que Balkis, la reine de Saba, citée dans le Coran, consultait les hommes en disant « Ô notable, conseillez-moi sur cette affaire ». Mais c'est à elle que revenait la décision finale. Dieu a honoré la femme dans le Coran, dans l'Évangile et la Torah, et dans tous les livres saints. Comment ose-t-on aujourd'hui dire que le corps de la femme doit être dissimulé? Que sa voix doit être assourdie? Quelle absurdité! Ils ne veulent la femme que pour le plaisir, comme un morceau de chocolat. Dans la culture orientale, le corps de la femme est impur. Cela signifie que mon corps, de par sa souillure, est capable de souiller une eau pure. Mon corps peut souiller le Nil, il peut souiller un lac, la mer, un océan. C'est ce que ça veut dire. Si je touche un homme, par exemple, même par-dessus ses vêtements, il doit recommencer ses ablutions pour pouvoir faire sa prière. Parce que le moindre contact physique peut éveiller le désir sexuel. Voilà ce que nous dicte notre culture. En 1937, en Égypte, alors que j'avais 6 ans, toutes les filles étaient excisées avant leur puberté. On ne pouvait y échapper, ni au village, ni en ville, et ce, quelle que soit la classe sociale dont on était issu. J'étais entourée par 4 femmes venues prêter main forte à la sage-femme Oum Muhammad. Les bras et les jambes liés, comme si on avait enfoncé des clous dans mes mains et mes pieds pour m'attacher, comme Jésus sur sa croix. Depuis mon enfance, mon corps meurtri n'est toujours pas guéri de sa profonde blessure. La plaie a atteint mon âme et mon esprit. Je n'oublierai jamais ce jour d'été 1937. 57 ans plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne pouvais regarder mon corps nu dans le miroir, ni cette zone interdite, bordée de péchés et d'opprobre. Je ne savais pas s'il y avait d'autres parties de mon corps à amputer. La nuit, je restais les yeux grands ouverts. J'ignorais ce que me réservait encore l'avenir. Dieu seul connaissait l'avenir et les dangers qu'il dissimulait.
À travers les barreaux de la fenêtre, je voyais mon frère Talaat courir et sauter dans la verdure, enfourcher son vélo pour s'évader dans les grands espaces qui s'étendaient à perte de vue. Lui respirait un air pur et frais et savourait les rayons du soleil, tandis que j'étais relégué dans l'obscurité de la cuisine, à demi asphyxié par la fumée du fourneau. À 11 ans, je n'avais déjà plus le droit de sortir de la maison. Et j'étais déjà presque une vieille fille, comme disait ma tante Nihimat. Jamais mon frère ou mon père ne mettaient les pieds à la cuisine pour éplucher des oignons ou faire la vaisselle. C'est dans cette pièce que j'ai appris l'humiliation d'être une femme. فوق Je connais le docteur Nawal depuis l'enfance. Elle était très bonne élève. Elle n'a jamais redoublé. Elle était toujours la première, tous les ans. Elle était incroyable. Ses sœurs, c'était pareil. Mais c'était elle la meilleure. Elle les dépassait tous. Sa mère, son père, ses frères et ses sœurs. C'était une tête. Seule l'école me permettait d'échapper aux murs étouffants et aux corvées ménagères. Au petit matin, je passais mon uniforme et quittais la maison avec l'empressement d'un prisonnier qui vient d'être relâché. J'avais beau rapporter d'excellentes notes, mon entourage ne manifestait aucun signe de contentement. Les lèvres arboraient invariablement une moue désapprobatrice. Fixant ma poitrine à présent bien développée, ma grand-mère murmurait à ma mère « Ta fille a grandi, Zainab. Un jour, elle ne sera plus féconde. Que Dieu envoie un époux à Nawal pour que tu sois heureuse et que tu aies marié toutes tes filles tant que je suis encore de ce monde. » C'était le premier mariage auquel j'assistais à Kafr Tala. La mariée, ma cousine Zainab, était un peu plus âgée que moi. Sa mère, ma tante Baïa, était assise dans un coin, entourée d'autres femmes qui toussotaient nerveusement. Elle s'essuyait délicatement les yeux du coin de son foulard. Sous les sourires des femmes, je devinais leur tristesse. Les pleurs qui s'étaient taris au fil des années, les sinistres souvenirs de leur propre nuit de noces. La mère de la mariée s'est soudain levée et a noué son foulard autour de ses hanches pour rejoindre les filles qui dansaient. Le marié s'est lui aussi mis à danser.
soulevant un long bâton pointu au-dessus de sa tête. Ce bâton devait atterrir sur le dos de Zeynab plus tard dans la soirée, pendant la préparation du dîner. La coutume voulait qu'elle tâte du bâton avant de goûter à la nourriture que son époux rapporterait à la maison. Je suis allée à Ras El Bahr et à Alexandrie, et je suis allée partout. J'aimais voyager et apprendre des choses. Je voulais devenir médecin. Je me déguisais et je disais à ma mère, « Allonge-toi, je vais t'examiner, je suis ton docteur. » Mais on m'a amenée ici pour travailler la terre. Moi, je voulais rester au village. Là-bas, je pouvais aller à l'école. Tous les enfants du village ont accès à l'éducation. Mais on a eu besoin de paysans pour les travaux des champs ici, et j'ai dû venir avec eux. Après avoir casé ma cousine, ma famille m'a poussée à mon tour vers le mariage et sa débâcle annoncée. L'heureux élu était le fils de mon oncle El Hadj Afifi. Il était censé me construire une maison de briques rouges à côté de la boutique familiale. Sa mère devait m'apprendre à pétrir la pâte et à cuire le pain, à traire la bufflone et à aller chercher de l'eau à la rivière avec une cruche de terre et à confectionner du combustible à base de fumier et de paille. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Chaque fois qu'elle nous rendait visite et s'approchait de moi, je me rebellais comme un chien fou. Au bout d'un moment, mon fiancé s'est tout bonnement envolé, comme un pâle nuage d'été. Par la suite, ma famille a fait des gorges chaudes de ce prétendant disparu précipitamment de la circulation. Il ne devait pas être le dernier. Si une femme dépasse la trentaine sans se marier, elle est considérée comme une vieille fille. Ici, on n'attend pas la quarantaine. Dès que vous avez atteint 30 ans, vous êtes une vieille fille. Vous ne recevez plus que des demandes en mariage de la part d'hommes divorcés ou déjà mariés ou de vieillards. Votre vie est terminée. Les gens vont avoir pitié de vous et se dire « Pourquoi n'est-elle pas mariée ? Elle doit avoir une tare. » S'il est écrit dans le Coran, ou l'Évangile, ou n'importe quel livre saint sur lequel les gens se fondent, les hommes ont autorité sur les femmes. Et qu'on en déduit que l'homme est plus fort, meilleur, supérieur, et que c'est lui qui décide, alors ça ne m'étonne pas qu'on m'ait toujours appris que j'avais besoin d'un homme dans ma vie pour se charger de ce que je ne saurais pas faire. Cet homme pouvait être un père, un frère, un mari ou un oncle. Il devait être là en permanence pour jouer ce rôle. J'ai grandi avec la certitude que j'avais besoin que quelqu'un s'occupe de moi et me prenne en charge. Puis un jour, Nawal al-Saadawi m'a dit « Tu es responsable de toi-même. Tu n'as besoin ni de mari, ni de père, ni de frère pour s'occuper de toi. Tu en es capable seul. » À 17 ans, toutes les filles de mon entourage étaient déjà mariées et mères de famille. Pour ma part, c'est l'âge auquel je suis entrée en fac de médecine. Pendant des années, le mot « université » m'avait paru magique. Et voilà qu'à l'automne 1948, je devenais étudiante à l'université Fouad Ier de Gizeh. Elle était à cette époque le théâtre de manifestations quasi continues. Mon cœur bondissait quand je trouvais en arrivant des étudiants en train de scander des slogans tels que « Abat les Britanniques » ou « Abat le roi ». Cela me rappelait mon enfance, l'époque où je rêvais de faire table rase et de changer le monde. En juillet 1953, la monarchie a été abolie et l'Égypte est devenue une république.
Parmi les mesures adoptées par le régime révolutionnaire figurait la création de dispensaires dans les régions rurales. J'ai ainsi demandé un poste dans mon village natal. C'est par une chaude journée de septembre 1956 que j'ai quitté le Caire. Des paysans, hommes et femmes, s'étaient massés à l'entrée du dispensaire. On entendait retentir les you-you et les cris. Mille fois bienvenue à la doctoresse. دي الاداره الصحيه ايوه فيها مكان للدكتور وما بيت للدكتور ما انا اشتغلت هنا ما انا عارف هنا حصل تطور شويه هو الدكتور مبيت هنا بيبات يعني هو هنا سكنوا هنا سكن يعني هو هنا بيزوغه طبعا صباح الخير انا كنت باجي هنا بقى اكشف وريني كده المبنى القديم ايوه ايوه ده المبنى القديم فين اوضه الكشف والمدرسة راحت فين؟ المدرسة عملناها فنية فنية بنات وتبع التعليم وبنينا مدرستين تاني هنا؟ إعدادي وابتدائي كمان يعني بقى هنا كام مدرسة بقى ثلاث مدارس هنا عندنا This is where I worked This room when this was in 1957 How many years ago? من 1957 يعني كم سنة؟ من 1957 56 سنة I worked here since 56 years I used to examine 100 patients a day and they were all poor and you know and there were no medicine at that time and I was fighting to have medicine for them. أنا عايز أدخل الصيدلية. Let's go to that. Because I want to know what medicine they give it. فين الصيدلية هنا؟ الحاج صابر السعداوي الله يرحمه. فاكره؟ طبعا. ابن عمك. جده. جدك. اهلا وسهلا. Elle n'avait pas sa pareille. Elle était la meilleure, la plus jolie, et tout le monde la réclamait. Elle guérissait tous les malades. C'était un très bon médecin. Un beau jour, tout le village s'est mis à parler du démon de Masuda. J'ai fini par obtenir l'autorisation de l'examiner et j'ai rédigé le diagnostic suivant. La patiente Masuda Zedane souffre d'une pathologie nerveuse. Elle doit être hospitalisée et placée sous surveillance médicale jusqu'à une amélioration de son état. Une fois guérie, je recommande qu'elle ne retourne pas au domicile conjugal, car son mari est à l'origine de ses troubles de santé. Il a 51 ans de plus qu'elle. Tous les soirs, il la bat et la viole par derrière quand elle fait sa prière. Elle a été mariée de force à 10 ans par son père. À 18 ans, sa seule échappatoire a été cette maladie nerveuse. Masuda a passé quelque temps au dispensaire, jusqu'à ce que la police vienne un jour la chercher sans ménagement pour la ramener à son mari. Une semaine plus tard, on retrouvait son corps sans vie qui flottait dans le Nil. Juste après avoir obtenu son diplôme, le docteur Nawal a participé à une réunion à la Chambre des députés en présence du président Gamal Abdel Nasser, paix à son âme. On y a posé la question suivante. Qui est le paysan égyptien ? Et le docteur Nawal, à la surprise générale, a eu une réponse criante de vérité nue qui a beaucoup choqué. Elle leur a dit « Le paysan égyptien est celui qui pisse du sang ».
Mon arrière-grand-père Abash et son fils El Saadawi étaient tous les deux morts de la bilharziose. Ce jour-là, le ministre de l'Intérieur a écrit mon nom sur un document officiel. La doctoresse Nawal El Saadawi, médecin-chef du dispensaire de Kafr Tala, dans le gouvernorat de Kalyubiya, a manqué de respect aux valeurs morales et aux coutumes de notre société et a incité les femmes à se rebeller contre les lois divines de l'islam. Cette accusation n'avait pas fini de me coller à la peau. Elle m'a suivi partout, où que j'aille, et elle a constamment joué contre moi. Elle s'est répandue dans les couloirs des administrations publiques, quel que soit le régime en place, année après année, et jusqu'à aujourd'hui. J'ai des évanouissements et ça peut durer plus d'une demi-heure. Je ne sentais rien ? Rien du tout. Ça fait combien de temps que vous avez ça ? Très longtemps. Depuis toute petite. Depuis toujours, je crois. Depuis toujours. Avant de vous marier ? Oui, on m'a mariée à un paysan. Et quand ça vous arrive, comment réagit-il ? Comment il réagit, lui ? Oui. Je me réveille entourée des voisins. C'est ma voisine qui me réveille, en général. Et il ne fait rien ? Rien du tout. Et en plus, il vous bat ? Il me bat et il me laisse là. C'est ma voisine qui me raconte ce qui s'est passé. Elle me dit, il a fait ci, il a fait ça. Et quand je lui demande de l'argent, un coup c'est oui. Vous n'avez pas d'argent ? Pas un sou. Je ne suis pas allée à l'école, alors je ne travaille pas. Je le vois chez mes collègues, dans la rue. C'est facile pour un homme de battre sa femme. Si quelqu'un l'a énervé, il bat sa femme. S'il s'embrouille avec un ami, il bat sa femme. S'il manque d'argent, il bat sa femme. Quand les enfants braillent, il bat sa femme. C'est leur seul exutoire dans ce pays. Tout le monde se défoule sur les femmes, pour tout et n'importe quoi. On a de la chance, hein? C'est très frustrant. Je connais des femmes mariées avec des enfants qui pleurent tous les jours parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Vous avez celles qui ne peuvent pas marier leurs enfants, celles qui n'arrivent même pas à nourrir leurs enfants, celles qui sont battues régulièrement. Si elles réclament de l'argent, si les enfants ont faim, si les enfants veulent aller à l'école, tous les prétextes sont bons pour prendre une raclée. Elles sont opprimées et humiliées toute leur vie. Tout repose sur leurs épaules. Elles vont au champ seules, s'occupent de la maison, des travaux agricoles, tirent les buffles et assurent la traite. Tout ça sans aucune reconnaissance. J'en connais beaucoup ici, malheureusement. Je les vois pleurer, même les femmes âgées. Malgré leur âge, elles sont soumises à leur mari. Voilà ce que subissent nos femmes jusqu'à leur dernier souffle. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est notre lot, on n'y peut rien. C'est comme ça. Un simple médecin semblait impuissant face aux souffrances infligées à la population. J'ai compris à l'époque combien la maladie et la pauvreté étaient liées à la politique, à l'argent et au pouvoir.
et combien la pratique médicale était éloignée de la vie quotidienne. Pour moi, l'écriture est devenue un acte de rébellion contre toutes les injustices perpétrées au nom de la religion, de la morale ou de l'amour. Un jour, en rentrant de l'école, la porte de l'appartement avait été forcée. Les voisins m'ont alors appris que ma mère avait été arrêtée. Puis on a commencé à la chercher. Elle avait disparu. Nous sommes restés plusieurs jours sans savoir où elle avait été emmenée. Il était 15 heures en ce dimanche 6 septembre 1981. Plusieurs voitures de police étaient garées devant l'immeuble. Des hommes brandissaient leurs armes dans ma direction. Que s'est-il passé? Un tremblement de terre? Ou est-ce ma simple et modeste personne qui s'est muée en une terrible menace? Ça faisait longtemps qu'on habitait l'immeuble. J'avais des amis parmi les voisins. Notre voisin de palier m'a raconté qu'il avait observé la scène à travers le judas. Mais ils ont tous eu peur de sortir. Ils ont vu les militaires enfoncer la porte, mais ils étaient tellement terrifiés qu'ils n'ont pas osé passer la tête pour voir ce qui se passait chez nous. Le parcours improbable qui m'a mené jusqu'à la prison a duré plusieurs heures, au cours desquelles j'ai vécu dans le noir le plus total. Telle une aveugle, je ne me suis pas aperçue que la ville du Caire s'éloignait derrière nous, ni que la rue que nous empruntions n'était pas la mienne. Je l'avais prise pour ma rue, et de loin la tête qui regardait par une fenêtre, je l'avais prise pour celle de mon fils. J'ai même failli l'appeler, mais je me suis retenue. Le moment le plus terrible pour moi a été celui où il m'a fallu entrer dans la cellule. Deux jours plus tard, j'ai vu le docteur Awatef Abdelkarim entrer à son tour dans la cellule. C'était une amie de longue date. Je l'ai accueilli avec joie et lui ai dit en riant « Pourquoi as-tu tellement tardé, Awatef ?» Pendant que j'étais en Allemagne, Anwar el-Sadat a prononcé un discours dans lequel il a annoncé 1536 mandats d'arrêt, dont l'un à mon nom. Je suis rentré sur le champ, contre l'avis de mes amis qui me conseillaient de rester en Europe. Je suis donc rentré et à l'aéroport, j'ai été accueilli par mon ex-mari. Il a pris mon fils, Hicham, qui avait 10 ans à l'époque. Ma mère aussi était là, mais elle se tenait un peu à l'écart. Je me suis dirigée vers les policiers et j'ai été arrêtée avant même de quitter l'aéroport. Anwar el-Sadat nous accusait d'être à l'origine d'un clivage sectaire et de conspirer contre la nation. Une grande inquiétude régnait, dans la prison et au dehors. Les gens avaient peur de sortir dans la rue. Sa voix claire résonne encore à mes oreilles. Ses yeux brillaient comme un flambeau. Son rire joyeux résonnait dans la maison. Fatia, la criminelle, était une pauvre paysanne qui semait et moissonnait de ses propres mains, alors que son mari traînait à la maison, paresseux comme personne. Il mangeait, buvait et fumait le narguilé. Un jour, en rentrant du travail, elle l'a trouvé allongé sur sa fille qui n'avait que 9 ans. Elle lui a donné un coup de pioche sur la tête et a été condamnée à la prison à perpétuité. Je regardais ses doigts bruns et vigoureux et j'avais l'impression qu'il ressemblait au mien. Mon cœur battait au même rythme que son cœur, avec la même force. Et ma main qui tient le stylo ressemblait à ses mains qui ont donné le coup de pioche. Si mes doigts n'avaient pas connu le crayon, ils auraient peut-être pris la pioche. La parole sincère nécessite tellement de courage. Autant qu'il en faut pour tuer, peut-être même davantage. À l'annonce de la mort d'Anwar el-Sadat, j'ai assisté à une scène extraordinaire.
Les femmes voilées ont retiré leur foulard et se sont mises à danser. Et nous, qui étions de gauche, on a fait la prière du remerciement. Tant que Sadat était au pouvoir, nous n'avions aucune chance d'être libérés. Mais le 6 octobre 1981, il meurt assassiné. Un mois, jour pour jour, après avoir envoyé sa police défoncer ma porte pour me jeter en prison. Après sa mort, l'espoir d'une libération est soudain devenu moins illusoire. Je pense que si Nawal al-Saadawi a fait tout ça, c'est pour nous transmettre le message suivant. Continuez. Je suis une femme. Je viens de la campagne. Je suis une femme tout à fait ordinaire. Et je continue mon combat, malgré les pressions, la prison et les diffamations. Nawal al-Saadawi a été énormément calomnié. Mais je continue. J'y crois. J'y tiens. Et je ne reculerai devant rien. Un soir, j'ai entendu une voix sortir d'un haut-parleur sans en connaître la provenance. Me parvenait-elle d'un minaret, du dôme d'une église, d'une discothèque, du McDonald's ? Tuez-les, où qu'ils soient, les mécréants, les ennemis de Dieu. Elle a énuméré des noms d'hommes de lettres et de poètes, une trentaine ou une quarantaine de noms. Puis j'ai entendu résonner le mien, Nawal el-Saadawi, et ces mots qui m'ont transpercé le crâne comme une balle. Tuez-la, cette mécréante ennemie de Dieu. Je recevais des appels téléphoniques de la part d'inconnus, des lettres d'insultes anonymes qui disaient « Espèce de mécréante, ennemie de Dieu, alliée de Satan qui a chassé Adam du paradis, semant la mort et la désolation partout sur son passage. Ne sais-tu pas que Dieu a ordonné aux femmes musulmanes de porter le voile ? Le voile est sacré. Comment peux-tu inciter les femmes à désobéir à Dieu ? Tu ne mérites que la mort. » Quitter le Caire devenait inévitable. C'était une question de vie ou de mort. Je devais lutter pour ma survie. Le Caire, ma ville opprimée, je la porte dans mon cœur depuis l'enfance. Je l'aimais, je la détestais. Le harcèlement, la traque et la prison. Les douleurs de la défaite et les délices de la lutte. Tomber et se relever. Se relever et retomber. Le Caire me sert la vie et la mort dans la même coupe. Je pense que la force de Nawal al-Saadawi réside dans sa détermination. Elle a été ferme et patiente. Elle est toujours restée sur ses positions et n'a jamais flanché. Nawal al-Saadawi n'a jamais cherché à complaire à qui que ce soit. Elle n'a jamais donné satisfaction à aucun camp, à aucun parti. Elle a toujours agi selon ses principes et sa conscience, que ce soit pour défendre les droits des femmes ou dans d'autres domaines. Elle a servi les intérêts de la femme en tant qu'être humain libre. Nawal al-Saadawi m'a ouvert la voie de la révolution. Une révolution contre la société, contre l'héritage culturel. Une révolution contre l'État et sa politique qui dessert les femmes au profit des hommes. Des millions d'hommes et de femmes, musulmans ou chrétiens, toute idéologie et croyances confondues. Bref, le peuple égyptien tout entier se sont rassemblés sous la bannière d'une révolution populaire et spontanée. Ils étaient tous unis contre un système corrompu, tyrannique, pourri des pieds à la tête, avec son pharaon des temps modernes.
Mon rêve d'enfance a pris forme et nous avons obtenu beaucoup. Mais la révolution la plus importante est celle qui se passe dans les têtes. Le docteur Nawal aimerait que tous les gens soient instruits et cultivés, que tout le monde ait accès à la littérature, lise des romans, des livres de théologie, de philosophie. Elle veut une révolution de l'intérieur, de chacun d'entre nous. La révolution de la place Tahrir ne suffit pas. Nous devons commencer par nous-mêmes. Living together. Mm-hmm. OK. I think I need one of these. Yeah. Oh, I think it's the final one. How can you have democracy in the parliament and no democracy at home? If you don't have democracy, starting from birth, that children are educated, equality, and justice, and freedom, and dignity from childhood, you cannot have democracy under the parliament. Because democracy is a way of life. It's a way of life, it's not a decision. La première réaction des frères musulmans quand ils sont arrivés au pouvoir a été de lancer une campagne sanitaire dans les villages et les milieux défavorisés. Il s'agissait d'apporter une aide médicale aux plus démunis. Seulement, dans les prospectus qui étaient distribués, on pouvait lire en tout petit la ligne suivante. Les médecins sont prêts à pratiquer l'excision gratuitement. Si vous réussissez à assujettir le corps des femmes, vous dominerez la société tout entière. Toute révolution a sa contre-révolution. Les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, déterminés à instaurer le califat et à soumettre les femmes. Mais le peuple égyptien les a mis dehors à leur tour. À présent, le nouveau gouvernement doit concilier ses paroles et ses actes. Notre lutte continue. Le docteur Nawal a fait énormément de choses pour les filles ici au village et a monté des projets dans ce sens. Mais les femmes de nos campagnes sont toujours opprimées. Quoi qu'elles fassent, l'homme sera toujours le maître et elles, les esclaves. Nous essayons de nous libérer, de suivre son exemple, mais nous n'atteindrons jamais le même niveau. We are very comfortable in this room. We are the elite. We are the elite. Of course, I came from a very poor family, but I became part of the middle class by my education. We are 2% of our societies, but 98% are suffering. And those people who made the revolution in Egypt, without the 98%, we couldn't have removed Mubarak. But we used them in the revolution, and then we come here, and we become the heroes of the revolution. The heroes of the revolution are dead. They are in their graves or they are in prisons. Many of the revolutionary young men and women in Egypt now are in military prisons. You managed to encapsulate not just politics, but religion, and not just politics and religion. It is the agony, yes. It's everything it's what we live. An evocative and provocative way. It's provocative. At but I don't mean it. I speak my mind. And they react to me. Of course, I will not please everybody.
Yes, of course. But then again, many famous people, many people who have been fighting for other people's rights, haven't been there to please people in the first place. Yeah, yeah. They're exactly. there for a cause, and the cause yeah, and we pay is our not popularity. We pay our blood. Yeah. I paid a very high price to say yes. what I'm saying, I know, you know. Yes, yes. It's not easy. Okay. 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 Sophia. Sophia.